compter sur monsieur Bissiriou qui fait son entrée, le mentaliste. Pour ce second tour de magie, je vais juste utiliser ça. Vous voulez vérifier que c'est un vrai marqueur? Ça vous dit? On sait jamais. C'est à moi, tu te dis. Non. Vas-y, ici, on touche. Ouais, allez-y. Bouh. Non, ça va, ça va. Vas-y, c'est un vrai marqueur, de toute façon. Ouais, c'est bon? Super. Est-ce que ça écrit? Ouais. Rien, ouais. C'est vrai. C'est bon? Ouais, tu veux que j'enlève mon vêtement? Non, tu es normal. Okay, super. Je reconnais. Alors, en fait, on a tous un truc dans nos poches. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça sur lui. Tout le monde a un téléphone. Et ce téléphone renferme de précieuses données, donc tout le monde verrouille son téléphone et fait en sorte d'avoir un mot de passe, de sorte à ce que personne puisse déverrouiller son téléphone. C'est bien ? Très bien. Ben, j'ai fait un tour de magie avec vous deux, donc je vais le faire avec Ange Freddy. Ange Freddy, t'as ton téléphone ? Super. Est-ce que tu viens me rejoindre sur la scène ? Ange Freddy ! Ta femme va voir tous tes trucs aujourd'hui. Là. J'espère qu'elle regarde l'émission. J'espère qu'elle regarde l'émission. Hein. Est-ce que t'as envie de changer de mot de passe hein? C'est bon? Tu veux les changer là? Non, c'est pas grave, vas-y, sors ton téléphone. Ne sois pas la femme de Ange Freddy, tu auras le code ce soir. Mais elle a mon code déjà? Ah ben tu l'auras encore une autre fois. Aïe. Le double code. Alors, ok. Donc c'est bon, le téléphone est verrouillé. Tu vas le déverrouiller avec ton visage, pas avec ton code. Tu me le mets pas maintenant. Vas-y, déverrouille le téléphone. C'est bon, c'est déverrouillé? Super. Alors, on va aller chercher la calculatrice. 743, ça c'est 743 000, ton dernier cachet, c'est ça? Tiens, tu veux dire, on est en avance. Ok, très bien. Donc, tu vas te mettre juste ici. Vérifie bien, il n'y a rien derrière toi. Personne ne peut regarder ce que tu vas taper. Il n'y a pas de caméra, pas de personne. C'est bon? Très bien. Je veux que tu tapes ton mot de passe dans la calculatrice. Comme ça, si jamais ça échoue, on aura le temps de vérifier. On aura besoin de ça pour vérifier quelque chose tout à l'heure. C'est bon? Donc, je me retourne. Si ça commence par zéro, tu peux ne pas mettre le zéro au début. Tu mets le mot de passe, je me retourne. Et quand c'est bon, tu me dis. C'est bon? Sans effacer, sors de la calculatrice. Verrouille ton téléphone. Super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tes empreintes pour ne pas avoir à les regarder et puis connaître ton mot de passe par là, parce que c'est possible. Et maintenant... C'est mal ouest indien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que tu vas... Viens. Tu vas prendre le marqueur. Tu vas te mettre en face. Du tableau et puis tu vas penser fort à ton mot de passe. Pense très très fort à ton mot de passe, vas-y. Les yeux ouverts. Non, ouais, les yeux ouverts. Non, ferme les yeux, pense-y très fort. C'est bon? Mm-hmm. Je veux que tu écrives tous les chiffres qui te passent par la tête. D'accord? De 0 à 9. Tu écris tout ce que tu veux sur le tableau. Tout mélanger, ce que tu veux. Hein, oui. Je veux. Comme tu veux, tu les mélanges, tu écris tout ce que tu veux, vas-y. Tu peux écrire des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, valise. Non, tu peux ouvrir les yeux, et puis tu écris dans chaque case. Dans chaque case. Oui, tu écris un chiffre, tout ce que tu veux. 3. Super. Jusqu'à combien? Tout, je veux que tu remplisses ça. Tu écris tous les chiffres que tu veux, tous les chiffres qui existent. Encore, il en reste. Ok. Ok. Deux chiffres là qui rentrent. Il reste encore des chiffres, on y va. Un chiffre. Tu les remplis, tu peux répéter des chiffres si tu veux, il n'y a pas de problème. Je peux répéter? Oui, bien sûr. Aïe, on y okay. va. Ok. Ce que tu veux, le dernier, pense bien à ton mot de passe et puis écris ce que tu veux. Vas-y. Écris-le. Super. Ok. Il reste une case. Super, très bien, referme le marqueur, tu vas me le rendre et tu vas prendre ton téléphone, c'est bon? Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est, je sais que ça paraît impossible comme ça, mais je vais essayer en regardant tous les chiffres qu'il a écrits, de trouver son mot de passe, d'accord? On est parti, alors regarde-moi, tu vas me regarder dans les yeux, ok? Est-ce que... Non, tu regardes-moi juste dans les yeux, je vais te poser des questions et tu me réponds à chaque fois par oui, même si c'est faux, d'accord? Est-ce que tu t'appelles Ange Freddy? Oui. Tu t'appelles Ange Freddy? Oui. Tu as quatre têtes? Tu dois répondre oui. Tu as porté un t-shirt blanc? Oui. D'accord. Tu as porté des talons aiguilles? Oui. Super. Tu es très bien habillé en tout cas. Oui. Ok. Est-ce que tu as pas de cheveux sur la tête? Oui. Donc à présent, je sais à peu près le visage qu'il a lorsqu'il ment et lorsqu'il dit la vérité.
Ok. Champion. Donc maintenant, regardez. On va faire quelque chose. Ange Freddy, est-ce que le 3 est dans ton mot? Tu réponds par oui à chaque fois. Est-ce que le 3 est dans ton mot de passe? Oui. C'est faux. C'est vrai que c'est faux, n'est-ce pas? Est-ce que le 2 est dans ton mot de passe? Je dois répondre que oui. Non, tu réponds oui à chaque fois. Ok. Est-ce que le 2 est dans ton mot de passe? Oui. Ok, je vais le sauter pour l'instant. Est-ce que le 6 est dans ton mot de passe? Oui. Non, ça c'est faux ça. Est-ce que le 8 est dans ton mot de passe? Oui. C'est aussi, c'est faux. C'est faux et je barre le 8 ici aussi. D'ailleurs, le 1, je trouve que tu l'as écrit trop facilement. Alors, là il reste le 2, le 9, le 4, le 5 et le 7. Est-ce que le 7 est dans ton mot de passe? Oui. Faux. Alors. Aïe. Regarde, je compte jusqu'à 9 et tu me dis stop, ok? Non, tu me dis pas de stop, juste je compte, donne-moi ta main. Et lorsque j'arrive sur ton mot de passe, involontairement, je veux que tu m'appuies la main. Tu fais rien, tu vas voir, ta main va juste appuyer ma main. Quoi? Lorsque je vais trouver un chiffre de ton mot de passe, ta main va juste descendre toute seule. Moi, je fais rien. Tu fais rien du tout, je veux même pas que tu m'aides, d'accord? C'est bon? Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4? Ok. Je vais entourer ça. Mais tu dis 4, tu dis bon, mais ok. 0, 1, 2, 2. 2. Je pense pas que le 2 soit dans ton mot de passe. Alors il me reste un 9. 1, 2, 3, 9. 9, 9. 5. Ok. Je barre le 5. Enfin, je barre le 9 et je garde le 5. Ange Freddy, là maintenant tu peux répondre honnêtement. Est-ce que. Je ramène ma main, non ? Ouais, tu peux ramener ta main chez toi. Est-ce que le 4 et le 5 sont les seuls chiffres de ce tableau qui sont dans ton mot de passe ? Je dois faire quoi ? Tu dois répondre honnêtement. Honnêtement ? Ouais. Ah, comment ça, honnêtement, mais motivé. On est d'accord ? Ouais. Ok, c'est très bien. Maintenant, tu as un mot de passe à combien de chiffres ? Alors, on va vérifier. C'est un mot de passe à 4 chiffres. Donc, il y a des chiffres qui se répètent. Là, maintenant, on doit trouver. Lequel se répète? Peut-être que c'est les deux. Donc je te pose la question, tu me réponds par oui. Ou tu ne me réponds pas cette fois-ci, on va rendre ça plus difficile. Tu ne me réponds pas du tout, regarde-moi. Est-ce que il y a plusieurs fois le 4 dans ton mot de passe? Oui. Ok, très bien. C'est bien répondu. Hein. Est-ce qu'il y a plus, il y a un seul 5 dans ton mot de passe? Oui? Non. Il y en a plusieurs, super. Est-ce que ton mot de passe commence par un 4? Oui? D'accord. Donc, on a un 4. Le mot de passe de téléphone de Ange Freddy commence par un 4. Je vais le noter juste ici. Est-ce que c'est un 4 ensuite? Non. Donc, c'est un 5 alors. Est-ce que le chiffre qui suit, c'est un 4? Non, c'est un 5. Et du coup, le dernier, normalement, c'est un 4. Et on va essayer de vérifier. On va déverrouiller le téléphone de Ange Freddy avec 4, 5, 5, 4. C'est bon, je peux faire un selfie. On fait un selfie. Le selfie de la défaite post-tour de magie. Souris, c'est pas grave. On applaudit très fort. Ouh. Je sens ton cœur battre de ouf. Donc, on a le mot de passe du téléphone de Ange Freddy. Vous l'avez tous. Change-le, c'est un bon conseil. Et merci beaucoup pour votre attention. Be serious. Avec Ange Freddy, complètement dépité.